Good morning, allez, Ida Nessus, aujourd'hui, l'Elohim Nishmat, David Ben Fortuna Mazal Fritna, Lucien Batreina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Sota, Perek Aleph Mishnah. Hey, im amra teme'a ani, shoveret ktubata me yotzet. Im amra tehora ani, ma'alin ota le sha'ar amizrach she'al petach sha'ar mikanor, shesham mashkin et asotot. ומתארין את היולדות, ומתארין את המצורעים. וכהן אוחז בבגדיה, אם נקראו, נקראו, אם נפרמו, נפרמו, עד שהוא מגלה את ליבה, וסותר את שערה. רבי יהודה אומר, אם היה ליבה נאה, לא היה מגלהו, ואם היה שערה נאה, לא היה סותרו. On continue le rituel de la sota. Pour rappel, le mari l'a averti. Elle a enfin assez isolé avec le monsieur. Il l'a prise au Beth Din de sa ville. Du Beth Din de sa ville, on l'a envoyée à Yerushalayim. Elle arrive à Yerushalayim, dans la Lechkat Gazit, à l'endroit du Sanhedrin, au Beth Din Agadol. Alors, on l'a averti, ça c'était la Misha précédente. On lui dit, ça vaut pas le coup pour toi, vaut mieux reconnaître vite, tant qu'il n'est pas trop tard. Malheureusement, ça arrive des écarts, on essaie de la mdouer, on lui raconte, elle va tout perdre si elle a transgressé et qu'elle s'entête à vouloir boire, parce que lorsqu'elle va boire les eaux de la Sota, ça veut dire qu'on va effacer le nom d'Hachem dans de l'eau. C'est une avéra en soi-même très grave, que la Torah elle a permis de le faire, si nécessaire, mais vérifie bien que c'est réellement nécessaire, et diminue au maximum les dégâts. Elle s'entête maintenant, alors à ce niveau-là, maintenant on en est bidouk, on en est exactement à ce moment-là, et la Mishnah vient et me dit, « Imamra Tmehani, si jamais elle cède, elle dit effectivement, « Tmehani, je suis impur, shoveret ktubata veyotzet. » On l'a fait casser sa ktouba et elle sort. Ça veut dire quoi, on l'a fait casser sa ktouba? C'est-à-dire, dès qu'elle est reconnue, on lui dit, alors c'est signe le papier ici, un papier du Beth Din, un shtar, où il y a écrit dedans que elle a eu un écart et qu'elle n'est plus en droit de recevoir sa ktouba. Ça peut être qu'elle est shoveret ktoubata. Elle casse sa ktouba, ça veut dire qu'on écrit un shovar. Un shovar, ça écrit, c'est-à-dire recevoir un reçu sur sa ktouba. Le mari, quand il se marie, il s'engage à donner sa femme, quand il y a divorce ou de décès, il lui donnera une certaine somme. Elle doit écrire que c'est un comme si que j'ai reçu, que je, en fait, je n'ai pas le droit de la recevoir, et voilà. Ou bien on va déchirer la ktouba si jamais la ktouba qui est, si on se soucie de la porter, et, ou si on est dans un autre. Et concrètement, le partenaire explique qu'il y a des endroits où on a l'habitude d'écrire une ktouba, comme c'est notre usage aujourd'hui. Dans ce cas-là, on n'écrit pas la ktouba, on écrit un chauvard, juste on déchire la ktouba. Et des endroits où on n'écrivait pas la ktouba parce qu'on laissait le bedin faire, que on savait très bien que le bedin lui-même impose cette somme-là. Et donc là, dans ce cas, elle devrait écrire un reçu. Concrètement, on continue le rituel. Vimamra Théorani. Si elle affirme que non, Théorani, moi je suis pur. Il ne me soupçonne pour rien. Et dans ce cas-là, je suis pur, je veux boire les eaux de la sota. Alors, Ma'alin Ota Leshar Amizrach, on va la faire monter au Sha'ar, à l'entrée, à la porte du Mizrach, qui était à l'est, la porte essentielle, chez Al-Petach, Char Nicanor, qui était à côté de la porte de Nicanor. Nicanor, on avait déjà appris dans Maseret Midot, il y a longtemps. C'était, même dans Maseret Yoma, si on les évoque, les portes de Nicanor, c'était les portes essentielles en cuivre du Beth Amigdash. Il y avait toute une histoire, comment ces portes-là sont arrivées par un miracle, depuis l'Égypte, depuis Alexandrie, peu importe, donc elles sont appelées à son nom, elles s'appelaient Sha'ar Nicanor, c'était les grandes portes, et elle avait à côté là-bas une petite porte qui s'appelait Sha'ar Mizrach. On l'a amené là-bas, pourquoi? Parce que là-bas, en fait, c'était concrètement, c'était un lieu qu'on avait destiné pour toutes sortes de purifications, en l'occurrence, Shesham Mashkin et un Sotot, car à cet endroit-là, c'était là-bas où on faisait boire les Sotot, une Sota, et où il fallait les faire boire, c'est à cet endroit-là qu'on désignait, cet endroit était désigné pour la faire boire, ou Metaharin et Tayoldot, et aussi où on purifiait les femmes qui avaient accouché. Une femme qui a accouché, elle est impure pendant 40 ou 80 jours, jusqu'à qu'elle apporte ensuite à la fin. Elle a une certaine impureté, elle n'est pas complètement pure, c'est une impureté qui n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, tant qu'elle n'apporte pas au 41e ou 81e jour un corban de Yoledet, le Kine Yoldot, dans Maseret Kenim, si vous vous rappelez. Et donc, quand elle les a portés, il fallait aussi partir là-bas pour faire ce corban, ou encore, ou Metaharin et Ametzoraim. C'est aussi à cet endroit-là où on faisait la purification des Metzoraim. Le Metzora, lorsqu'il finit son rituel de pureté,
le Metzora, qui était Mouchlat. Alors il doit ensuite venir au Beth Amikdash, avec tout, si vous, vous connaissez dans la parasha, qu'il faudra les donner, Al-Boyn Yado Al-Imanit, Val-Boyn Reglo Al-Imanit, Val-Tenuch Aozen, on lui donnait là-bas du son du Corban sur les oreilles. Concrètement, si vous voulez comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il avait de particulier cet endroit-là, c'était un endroit où, au Beth Amikdash, une personne impure n'a pas le droit d'entrer. Or, pour ces corbanotes-là, à part la sota, mais pour la yoledet et metzora, et aussi le zav, on ne l'a pas évoqué, mais c'est le même principe, ils doivent apporter des corbanotes. Bon. Et on doit ensuite leur faire un rituel. Comment est-ce qu'on va faire le rituel si tu ne peux pas rentrer dans la zara, tu es impur. Alors où tu vas aller? Tu ne peux pas rentrer dans la zara du Beth Amikdash. Il a le droit d'entrer dans la Arabaït, il a le droit d'entrer dans la Ezrat Nashim, mais il n'a pas le droit ensuite d'arriver au Beth Amikdash. Or la Torah insiste qu'il faut faire ses corbanotes. L'ifne Yachem, devant Hachem, ça veut dire dans l'endroit où il y a le Echal, donc t'es dans l'endroit, t'es dans la Hazara, Ezrat Israël, Ezrat Akohanim, tout ça, mais t'as pas le droit de rentrer, alors comment est-ce que tu fais pour être là-bas sans pouvoir entrer? Réponse, on a laissé une porte là-bas, ou on n'a pas sanctifié cette porte. Donc comme ça, il peut arriver jusqu'au seuil de la porte, être devant, sans être dans la Gdusha. C'est comme si je vais vous dire, dans la synagogue, on n'a pas le droit de parler de bêtises, mais on a laissé un coin dans un Dedver Metelim, où on n'a pas le droit de se conduire ou de faire toutes sortes comme c'est prescrit dans la lachot de la Beth Knesset, mais on a laissé un endroit sans doucha de Beth Knesset. C'est pas la Beth Knesset. Celui qui prie là-bas, il n'est pas en train de prier dans la synagogue, il est en train de prier en dehors, même si concrètement il est. C'est à peu près le même principe. On a laissé là-bas une porte où le seuil, il n'est pas kadosh. Comme ça, tous ces gens-là peuvent arriver, être devant Hachem, sans être à l'intérieur malgré tout. Et là-bas, on faisait boire la sota. Pourquoi il fallait là-bas? J'imagine que c'est à cause de la suite du rituel, comme vous allez voir, qu'il fallait maintenant passer à l'humiliation de la sota. Mais avant de continuer sur l'humiliation de la sota, d'abord je vous fais remarquer quelque chose. On a dit qu'il fallait la porter, dans la mission précédente, qu'il fallait la porter au Bedinag et dans le Shibon, la Lishkat Hagazit. La Lishkat Hagazit, elle était aussi dans ce lieu-là du Beth Amikdash, même, mais très haut relativement, il y avait là-bas des escaliers qu'il fallait monter pour arriver à la Lishkat Hagazit. Et elle sortait de la Lishkat Hagazit. En théorie, on sort en descendant de la Lishkat Hagazit. Donc, il ne fallait pas me dire que tu l'as fait monter au Shaar HaNekamot. Il fallait me dire que tu l'as fait descendre au Shaar HaNekamot. Il y avait là-bas, il y avait de quoi descendre et marcher. C'est-à-dire quoi que tu l'as fait monter? Ça signifie qu'en fait, on la faisait descendre, mais on la faisait remonter. Et là, on arrive à un procédé particulier, à une pression psychologique qu'on lui faisait sur la femme, où on la faisait traîner, on l'usait, on la promenait, on la menait de là à là. On la faisait descendre pour ensuite la faire remonter. Comme ça, si jamais elle est en train d'hésiter ce qu'elle va reconnaître ou pas, quand, à force de l'user comme ça, psychologiquement, ça va la mettre en pression, elle va finir par reconnaître. On a un grand intérêt à ce que cette femme reconnaisse son écart sans avoir besoin de la faire boire à la sota et d'effacer surtout le zoo de la sota. Donc c'est pour ça qu'on l'usait. Et selon ce principe, maintenant, on va procéder à la suite du rituel. Ça va être à présent, on va l'humilier. Parce que de toute façon, elle a fait quelque chose de pas bien. En s'isolant, alors qu'elle était prévenue, elle a un peu trop à tendance frivole, cette madame. Donc du coup, on va quand même l'humilier, de manière à ce que si elle a fauté, elle va craquer. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Les Kohen au Ches Bevegdea. Le Kohen maintenant devant tout le monde là-bas, il y a plein de monde autour. Il fallait inviter, comme on verra plus tard, il y avait toutes sortes de personnes qui étaient autour, qui regardaient ça. C'était un rituel rabaissant. Et alors il fallait maintenant le Kohen au Ches Bevegdea. Et le Kohen va saisir maintenant ses habits depuis l'ouverture de son col, et il va tirer. Im nikre'u, nikre'u, s'il se déchire, il doit la rabaisser en lui déchirant ses vêtements. Im nikre'u, nikre'u, s'ils se sont déchirés. Im nifremu, nifremu, si ça s'est décousu, ça s'est décousu. Peu importe, c'est deux sortes de déchirements. Soit c'est parce qu'on a craqué le tissu, on a décousu les coutures, ou encore, il y en a qui disent que c'est dans la longueur ou dans la largeur. Même principe. Acheu megale et liba. Jusqu'à qu'en tout cas, il atteint la hauteur du cœur. D'accord? C'est un peu comme une femme en deuil, maintenant. Et en plus, Vesoter et Sehara, il va même ensuite, elle avait la tête couverte, et maintenant, il va lui enlever son kisouï roche et lui défaire sa couette. C'est des procédés humiliants. Imaginez que vous êtes dans un endroit, dans un mariage, où tout le monde est habillé classe, et vous êtes en short, avec un petit débardeur. C'est l'archoum. Ouais, vous imaginez bien? Alors, à l'époque, malheureusement, toutes les femmes étaient tsnouotes. Malheureusement pour nous, toutes les femmes étaient tsnouotes. Il y avait une certaine morale de vie. Une femme qui se retrouvait dégradée en étant à moitié, maintenant dénudée devant tout le monde, c'était la honte, c'était très rabaissant, vous imaginez bien.
Ah, comment ça pouvait être? Donc du coup, elle se retrouve dans le Beth Amikdash, tout le monde qui est autour de là. Et elle se retrouve maintenant avec une partie de son corps maintenant. Ses cheveux qui sont maintenant dénudés devant tout le monde. Son corps qui est à moitié dénudé maintenant jusqu'à hauteur de sa poitrine. Bah, ça ne sortait pas, mais en tout cas, c'était maintenant comme une femme qui a fait la kriya. Mais là, et on l'a laissé comme ça, c'était très rabaissant pour elle. Et sur ça, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda me dit attention. C'est vrai que la Torah elle a prescrit qu'il faut déchirer ses vêtements et qu'il faut lui défaire ses cheveux. Mais malgré tout, Imaya Libahnae, si elle avait une poitrine jolie, bien formée, attirante, Loaya Megaleo, il ne la découvrait pas. Vimaya Searanae, et si jamais elle avait une belle chevelure, alors Loaya Sotro, il ne lui défaisait pas. Quel est le problème de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dit, c'est vrai que la Torah elle a dit qu'il faut le faire. Mais imagine que cette sota, finalement, il va s'avérer qu'elle est pure. Elle va sortir du Beth Amikdash. Il va y avoir maintenant, il y avait les pires qu'on a, les petits jeunes de la Kéona, quand ils vont voir une femme qui est comme ça, et qu'une fois ils l'ont vue un peu dénudée, ils vont sans arrêt penser à elle et lui courir après, et lui l'enquiquiner constamment. Donc du coup, à cause des jeunes qui étaient là-bas, qui étaient présents, et qui ne vont pas supporter de voir, nous quand on est adulte, on est capable de voir qu'on est en train de rabaisser la femme. Les plus jeunes personnes qui sont un petit peu moins réfléchies dans la vie, un peu plus frivoles eux aussi, ils sont jeunes, et du coup, eux, ils vont voir ça, ils vont plutôt avoir des pensées un peu plus obscènes. Et si cette femme va finalement sortir Zakaït, pure du Bedin, ils vont se mettre à... Ils vont lui courir après et aller savoir jusqu'où ça peut aller tout ça. Donc du coup, Rabbi Yehuda dit, c'est vrai que la Torah l'a dit, mais dans ce cas-là, si nécessaire, on n'accompliquera pas cette mitzvah de lui déchirer les vêtements et de lui découvrir ses cheveux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha. Kol Tov Selah.